Salut à tous, salut à toutes, c'est DIRK36 pour un nouvel épisode autour d'Elite. Il sera un tout petit peu spécial et probablement relativement court parce qu'il s'agit là de faire un tout petit peu le tour de la mise à jour 1.3 dite Powerplay qui ajoute alors une flopée de contenu. C'est dans le désordre, bah, évidemment, il y a le Powerplay, c'est les interactions entre les factions qui sont optimisées. La vue Powerplay qui est ajoutée à la carte, on va voir ça ensemble, ça a l'air assez sympathique. Toutes sortes d'informations en plus, je les passe pas en détail, il y en a, je sais pas moi, une quarantaine. Spawn des IA pour chasser les joueurs qui font défection, vaisseau impérial courrier ajouté, voilà, ça on a un nouveau vaisseau qui est fabriqué par Kutamaya, qui est multi-rôle, qui coûtera 2,5 millions de crédits, une assurance à 125 000, capacité de saut de base à 7,8. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Vitesse max, bof, hein, 277 avec un boost à 380, l'armure à 144, des boucliers à 230. Il y a 3 slots médium pour les armes et 4 utilitaires. Enfin voilà, c'est un vaisseau qui se rapproche en fait dans la maniabilité qui est cotée à 6, donc qui est similaire à celle d'un Viper. À voir, j'ai essayé de voir dans les systèmes alentours, mais je suis dans les systèmes de l'Alliance, donc comme c'est un vaisseau de l'Empire, je sais pas si je peux le trouver facilement dans le coin où je suis. Enfin, on verra plus tard parce que je compte faire une autre vidéo un tout petit peu plus tard dans la semaine, une fois que j'aurai un peu plus écumé cette mise à jour qui est actuellement en bêta, donc hein, uniquement pour les personnes qui ont acquis le jeu dans la période de bêta qui s'est terminée, je crois, en automne dernier. Plus moyen visiblement de s'inscrire pour ces bêtas. Donc l'implémentation officielle devrait arriver la semaine prochaine, je pense mercredi, si j'ai bien compris. Il y a encore comme nouveau vaisseau le Diamondback, qui est construit par Lacon, comme les vaisseaux de transport. Et c'est un vaisseau d'exploration qui coûtera 500 000 crédits, une assurance à 25 000, capacité de saut de base à 11,35, masse en tonnes à 170. Cargo 28 de max pour un usage probablement pour des ressources de luxe ou rares. Réservoir de 16, vitesse max 283, boost 384 et puis une manœuvrabilité de 3. Donc une sorte de brique, 4 slots utilitaires, 2 slots petits pour les armes et moyen en plus, donc 4 au total. Bon, intéressant à voir. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les mises à jour du Powerplay qui sont intéressantes? Alors, ils nous disent Welcome to the Powerplay. Donc, je vous ai parlé de Diamondback, de l'Impérial Courrier. Oui, alors les Limpets, qui sont les drones, en fait, il y aura des drones pour collecter les minerais, pour transférer le fuel d'un vaisseau à l'autre, et puis pour prospecter. Ça, je suis pas sûr d'avoir encore compris exactement comment ça marche. Visiblement pas des drones de combat. Le Powerplay, on y vient. Et puis un nouveau système de reward pour le bounty et le crime qui bah, on explorera, on verra, je pense pas dans cette vidéo. Là, je vais juste passer en revue ce qui a l'air d'être nouveau et assez évident. Et puis un nouveau moteur de recherche, enfin moteur de recherche, plutôt affichage pour les missions. Alors, j'ai pas vu de différence là maintenant. Ah bah voilà, il y a des nouvelles missions. Relativement cher. Bon, ça a pas l'air ça l'aide d'être comme avant, mais tout à l'heure, quand on remplit pas certaines conditions, comme par exemple il faut un rang de combattant létal, il faut avoir une relation requise d'allié avec la faction en question. Mais ça peut rapporter pas mal, hein, quasiment 400 000 crédits. Il y a quoi encore dans ces missions qui ne me sont pas accessibles? 300 000, là aussi je dois être létal. Et amical avec la faction en question. Et d'ailleurs, nouveauté encore, vous voyez dans les rangs de combattants, de commerçants et puis d'explorateurs, il y a une barre de progression. Donc je croyais que j'avais déjà bien progressé dans maître, mais il me reste encore du taf, hein. À peine 12%. Marchand, bah, ça fait un petit moment que je ne fais plus. Et puis éclaireur, j'avais à peine fait au début. Au niveau de la réputation, donc. Apparemment, ça a été retravaillé. C'est plus évident de voir avec qui on est amical et avec qui on a des soucis. Avec une barre de progression ici, vous voyez en pourcentage. Et là, je vois d'ailleurs qu'il y a une épidémie ici. Bon, soit. J'ai pas encore beaucoup regardé. Je regarde juste là avec vous.
Donc là, j'ai reçu pas mal de fric, hein, c'était pour les objectifs communautaires, soit dit en passant. Alors, dans la version de base du jeu, donc pas en bêta, ça m'avait fait 5 millions, et puis là, ça m'a fait gagner 30 millions. À mon avis, je vais pas les garder d'ici la mise à jour, hein. Tout ce que je fais ici, normalement, n'est pas conservé. Enfin, j'espère, parce que je pense que je vais faire pas mal. Enfin, je vais faire 2-3 tests à l'arrache. Donc 47 000 d'actifs, tout ça, ça n'a pas changé ici. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Autorisation. Bon, c'est comme avant. Ok. Alors, pour les autres ch gros changements que j'ai pu voir là dans les quelques minutes où j'ai parcouru la mise à jour, la bêta, c'est notamment. Voilà. Ça change du coup. Vous voyez ces gros mollusques comme ça, c'est les zones d'affluence des différentes sous-factions. Alors j'étais en train de regarder, par exemple, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumé, Aisling Duval, c'est un personnage qui appartient à l'Empire, qui contrôle 11 systèmes et qui a 510 commandes capitales. Visiblement, c'est des points d'influence. On peut ouvrir ce panneau qui nous montre une overview, un aperçu de la faction, avec une citation, en l'occurrence, de la princesse Aisling Duval. On voit que son ethos, visiblement, c'est les axes dans lesquels elle compte se développer. Dans les préparations, elle fait de la propagande virale, des campagnes de propagande virale, pardon, pour capturer les cœurs et les esprits. Alors, je ne sais pas quel type de mission on peut avoir en rentrant dans cette faction, parce que là, vous voyez qu'on peut prêter allégeance. Et si on prête allégeance, on va le faire tout à l'heure, mais pas avec cette faction. Visiblement, ben, on aura des points en plus pour certaines missions. Et en tout cas, on pourra choisir la faction plus facilement et puis augmenter son influence. Donc là, on peut revenir pour voir leur puissance sur la map. Donc on voit que c'est ici les 11 systèmes qu'ils contrôlent, plutôt vers le bas, elle appartient à l'Empire. Autrement, là je suis ici dans la zone d'influence d'Edmund Mahon, qui appartient à l'Alliance, qui a 12 systèmes sous son contrôle. Là on peut rejeter un coup d'œil avec 2-3 détails, il a 114 ans. Et puis ses quartiers généraux sont à Gateway. Donc là, dans ces trois axes de développement, préparation, il peut donner visiblement des bonus pour tous ceux qui font du commerce avec lui. Au passage avant, on avait le rang qui était à 7 et lui, il est 5e. Alors comme moi, je suis premier maître dans la fédération, je voulais prêter allégeance à quelqu'un de la fédération. Il se trouve que c'est Zachary Hudson qui est numéro 1. Il a 33 systèmes sous son contrôle. Donc, bah voilà. Oui, c'est ça que je voulais faire. Ouvrir la page de la faction. Il est numéro 1. Ça, c'est ses points de commandement de capital. Je ne sais pas encore comment on peut traduire ça. Qui sont à 789. Il gagne de ses systèmes 454. Et puis, le maintien des 33 systèmes contrôlés lui coûte 2809. D'où le petit bénéfice qu'on a ici. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que là, visiblement, il prépare des actions militaires. Et moi, je vais faire du militaire avec mes vaisseaux, le Vulture, ou si j'arrive à en acheter un autre. On verra bien. Le fer de lance, il coûte peut-être encore un peu cher pour moi. Donc, bah voilà. En première, avant-première, je vais prêter alliance. Est-ce que vous êtes sûr? Bah oui, allons-y. Donc maintenant j'appartiens à l'Alliance. Je peux quitter, mais ça me fera des points en moins. Donc ici, c'est les différents grades qu'on peut recevoir en étant dans cette faction qui fait partie d'une sous-allégeance visiblement de la Fédération. C'est comme ça que je commence à le comprendre. Et on gagne des points de mérite. Et puis, on peut avoir des nominations pour les préparations. Et les préparations, on voit les systèmes où il se passe des choses. LTT 11478, Ibutis, Dahan, bah tout ça c'est dans les systèmes de départ en fait finalement. Par exemple, Thiols, préparation. Des renseignements confidentiels. Donc en faisant ce genre de mission, eh ben, on obtiendra des points de mérite. Je sais pas quels autres avantages ça peut donner, mais notamment en termes d'influence ou de rang dans la faction.
il y a des priorités, visiblement. 1, 2, 3, ou alors c'est le nombre de systèmes les plus importants où il se passe des choses. Ici, renseignements confidentiels, Dahan. Préparation. Ok, des renseignements confidentiels. Bon, visiblement, pas beaucoup de missions de combat. Là, ça n'a pas l'air d'être accessible. Ou 308 CC, 123 CC. C'est les CC qui peuvent être dépensés par tour. Ok. À voir. Non, je voulais retourner là, parce qu'il y avait encore d'autres onglets. Expansion. Alors peut-être là, c'est un peu plus militaire. Le président Hudson croit que la race humaine... That human space. Non, qu'est-ce que je dis, la race humaine? Que l'espace humain, donc sous-entendu contrôlé par les humains, sera sous les auspices de la Fédération, enfin sera gouverné par la Fédération. Il utilisera la force si nécessaire. Ok. Bon, il y a pas mal de bugs aussi, hein. J'ai vu là, et ils doivent encore bosser pendant toute la semaine parce que l'affichage, il laisse un petit peu à désirer. Alors, il faut que je supporte les groupes privés du président Hudson contre les systèmes en résistance qui sont targetés, qui sont ciblés pour l'expansion. Alors, Rana. C'est à 102 années-lumière d'où je me trouve. Expansion. Alors, si on dépasse 372, eh bien, l'expansion sera réussie dans ce système. Et il reste 6 jours. Bah, voilà qui est intéressant. Et il y a une opposition de 2. 372. Help, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, au début d'un cycle, des essais d'expansion achetés dans le cycle précédent deviennent actifs. On doit compléter les tâches d'expansion pour assurer cette dernière de manière sécurisée dans le système. Tac, tac, tac. Je lis et je traduis en même temps et assez mal. Peut-être que vous, en lisant, ça sera mieux. Contrôle système, d'accord. Dès qu'on a un système contrôlé, ça collecte des CC à chaque cycle. D'accord, ok. Je vois le genre. Donc, à la fin du cycle, s'il y a assez de tâches d'expansion qui ont été faites pour satisfaire le seuil de succès et dépasser l'opposition du système, eh ben, on pourra le contrôler pour gagner plus de puissance. Bon, c'est à peu près clair. Et ça, c'est pour le contrôle. D'accord. Ok. Écoutez, on va essayer d'aller à Rana. Je vais vous épargner le voyage parce que c'est pas super intéressant. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Alors, nous voici de retour. Hein. Je n'ai pas pu résister. Il y a l'anaconda qui était à un prix bradé. Alors. Ça m'a coûté quoi? 1 million de crédits et puis le fitting, peut-être 2 ou 3 millions, même pas au maximum. Et c'est tout en A. Donc voilà, je vous fais profiter de la vue d'un anaconda de près. Je sais pas combien de temps je vais faire pour réussir à m'en acheter un en vrai. Attendez, on va essayer de s'approcher un petit peu. Mais c'est quand même une belle bête, hein. J'ai mis 3 rayons laser Gimbaled avec un énorme canon. Un gimbal sur le très gros point d'emport. Voilà, je suis là. Maintenant, vous voyez aussi, il y a des petits bonhommes. Et en l'occurrence, je suis là au poste de commande. Et puis, j'ai mis des utilitaires partout et j'ai tout fité en A. Ça m'a coûté que dalle, quoi. Donc, un petit trip mouillé. Hop, on retourne dans la bête. Et puis, je crois qu'on est tout bon. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose en plus dans les contacts ici. Les power contacts. Quelque chose en plus là, notamment je peux prendre des renseignements de confidentiels et ça fait avancer. C'est quoi ça? Prépare, voilà, c'est pour préparer ta bite. Putain, j'avais même pas vu où j'étais. Voilà, ou Tabi, on va dire ça comme ça. Hudson il déploie un réseau d'intelligence, donc d'espionnage. J'ai consommé mon quota. Je peux racheter en plus.
Ouais, bon, d'accord. Alors, en gros, il est en train de se préparer. Là, potentiel income, c'est 8 CC par semaine. Et ce que j'essayais de vous dire. Attendez, on va retourner sur le PowerPlay. Ici, d'ailleurs, on a un nouvel onglet qui s'appelle Actualité, qui permet d'accéder bientôt à Galnet en un coup d'œil. Le classement des puissances et puis l'allégeance à laquelle j'ai prêté. Allégeance, enfin l'alliance, la faction à laquelle j'ai prêté allégeance. Et puis là, on se rend compte dans préparation, on se rend compte de quoi? De je sais pas trop quoi. voilà, les renseignements. Les renseignements confidentiels pour les systèmes qui doivent être préparés. Mais je sais pas où je dois les amener. Alors je vais en prendre quelques-uns et puis on va voir où est-ce que je peux poser ça, quoi. Ça, c'est ceux qui sont peut-être les plus rentables. Je vois pas de ta bite. En gros, moi je vais à Rana qui est à 11 années-lumière maintenant. Parce qu'on voulait voir ce que ça faisait de faire des missions de combat pour la nouvelle allégeance. Alors j'ai un peu peur, là j'ai jamais piloté une bête comme ça. Je sais pas du tout ce que ça a donné. C'est énorme. Ouf, putain. Il me décroche ou quoi? Voilà. Ship release. Ouh, c'est lent. Engines Ouh, la engaged. grosse bête. Ouh, il y a des gros vaisseaux partout. De toute manière, c'est moi qui ai la plus grosse. Allez, on avance. Je rentre le Landing train. gear returning. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Oh, l'inertie qu'il a, ce machin. Il faut que j'aille peut-être un peu moins vite. Parce que je vais passer à travers. Très gros. Oh, ça va râper. Ah, ah, voilà. Alors ça fait quoi, vitesse maximum? Oh, Scan oh, 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 oh. Bon, voilà. Peut-être que la vidéo va durer plus longtemps que prévu, du coup, parce que là, je kiffe un petit peu ce truc. Oui, je vais à Rana. Allez, vas-y. Ah non, je suis encore chopé dans la gravitation. Ouh, le coup de boost. Oh, je vais voir à quoi ça ressemble de dehors. Ouh, le gros truc. Oh là 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 là. C'est énorme ce machin. Énorme. Ah oui, tiens, si je sortais mes armes pour voir. Oh putain, j'ai envie de faire un petit combat là. Allez, monsieur Spock, on y va. Frameshift drive Premier saut en dodging. anaconda. C'est pas de mal à veille. Oh là là, comme ça charge. Je suis bouche bée. Ready to engage. Oui, bah j'accélère. Ah, mais je suis en marche arrière. Oh, comme je suis pas digne. Je suis pas digne du tout. Allez, on reboost. Four, Voilà. three, two, Oh, comme j'ai one, fait mon premier saut. engage. Ah. Petite secousse, mais c'est énorme, la coque comme ça. Je sais pas ce que ça donnait en combat. Hein. J'ai mis des tourelles autrement pour le reste. Enfin, c'est majestueux. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Military Strike. Eh ben, vous savez quoi? On va y aller. Parce que je suis là pour ça. Jamais vu ce signal, Military Strike. Vous m'excuserez. Là, j'ai un petit peu de peine à m'habituer. C'est quand même lent, hein. Est-ce que j'arrive à vous montrer un petit peu les armes que j'ai? Voilà. Les trois rayons laser C3, bam. Deux petits rayons laser en tourelle. Un gros gros multicanon. Deux multicanons en gimbalt. En gimbalt, en tourelle, pardon. J'ai jamais utilisé les tourelles. Je sais pas si je les ai. Je crois que c'est tout automatique normalement. On verra. On va très très vite voir ça.
Ah oui, d'ailleurs, on peut aussi accéder. Donc, n'importe quand ici, sous actualité. Je ne vous avais pas montré le classement. Voilà, la fédération numéro 1. Enfin, Zachary Hudson, là, c'est le patron. Dans la fédération, il y a aussi Felicia Winters. Ensuite, deux de l'Empire, Lavigny, Duval et Zemina Torval. Edmund Mahon pour l'Alliance. Il y a des indépendants. Deux. Et puis, trois même. Et puis encore deux de l'Empire, dont Danton Petreus, dont on a déjà entendu parler. Et tout ça est susceptible d'évoluer, évidemment. Alors, je suis en train d'aller trop. Enfin, de louper la cible, tout simplement. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, là. Hein. Oh là là. Alors, pas trop vite. On va assurer le premier saut quand même. Vous voyez, je peux aussi changer de répartiteur maintenant, pendant qu'on est en super cruise. Et paraît-il que les boucliers ne se rechargent plus automatiquement si on sort et on rentre d'une instance. Dommage, j'utilisais ça assez souvent. On y est presque. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? En plus, on a Anaconda. Ouhou! Aha! Voilà, c'est une planète habitée. On y est bientôt, 30 000, 20 000 km. On se prépare. Je sais pas si je vais me faire agresser tout de suite, si je dois choisir la faction, probablement. On va être fixé incessamment sous peu. Alors, il y en a déjà qui sont en rouge. Bon, bah, visiblement, je sors les armes. Ouf, ouais, du piton. Under attack. Bon, oh, putain, il me fait agresser sa mère. Allez, c'est parti, direct sur le piton. Où ça pompe tout. Bon, ça va, j'ai l'air de tenir. Je sais même pas si mes tours elles tirent. Faudrait que je me renseigne ou que vous me disiez. Ah, en train de bouffer la coque. Target shields Gros coup de offline. canon. Under attack. Ah, j'arrive pas à le lancer. Ah ouais, c'est pas aussi maniable qu'un Vulture, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, j'arrive pas à me le remettre. Un petit coup de boost, ça va aider. Je balance des paillettes. Et il paraît que les paillettes sont plus visibles aussi, j'ai pas eu l'occasion de le constater. Mais est-ce que. Under Ah, attack. j'ai mon canon, mais il tire pas. Ah là là. Je vais utiliser une cellule. Enfin, c'est peut-être un peu trop tôt d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est qui? C'est un gentil. Voilà, les boubous sont à fond. Ah, j'ai tiré avec mes canons, mais je les vois pas. Alors, le canon. Est bientôt mort. J'arrive pas à me rendre compte si je tire avec mes canons. C'est quand même tragique. Ah ouais, ça doit partir d'en bas là, je viens d'entendre le bruit. Allez, on va se le finir. Pas se prendre mon pote Anaconda. Je suis gros maintenant. Je peux plus me faufiler comme avant. Ah, j'ai tiré comme un sourd avec mon canon, il est à 40%. Ouais, alors je maîtrise pas vraiment l'engin, quoi, et je sais pas si mes tourelles fonctionnent. Si je dois les sélectionner. Ouh, ça pompe, hein. En tout cas, mes munitions de canon sont pas parties, j'ai peut-être pas ciblé comme il fallait. Ah voilà, là je lui ai balancé un gros coup de canon, hein. Ça lui a fait mal. Target shields online. Ah, il a ses shields.
Je vais vite les descendre avec mes triples. Ah voilà, on voit bien les paillettes maintenant, c'est vrai. Ça fait un nuage. Il est à 4 km. Voilà, c'est quasiment descendu. Allez, hop, il est plus qu'à 3%. Je sais pas ce que je vais avoir comme prime, qu'est-ce que ça va faire, parce que là, visiblement, je combats pour la faction. Voilà, il est fini. Voyons voir. Bon. Aucun message. On va voir ce que je peux faire contre un cobra. Et puis après, je crois qu'on va s'arrêter là, quoi. C'était juste pour tester. Il va falloir que je m'entraîne un peu plus. Alors, là, je suis à 260. Je sais même pas la portée de mes trucs. Ça doit être peut-être 3 km. Bon, allons-y. Ah, il a les paillettes. Allez, ça suffit. Oh, comme ça lui fait mal. Oh, comme ça lui fait très très mal. Ouais, j'ai essayé de lui faire un coup de canon, mais là c'est vraiment difficile. Ouh, c'est dur de tourner. Surtout que j'ai rien dans les moteurs. Oh, je suis quand même presque plus efficace en vulture. Hein. Mais je pense que mes tourelles marchent pas là, je sais pas. J'entends pas les multicanons. Allez, canon! Wesh! Ok. Juste vérifier si ça fait quelque chose au niveau. Bon, déjà, on va sortir de là. Voilà, on rentre les bitonios. Et on se prépare à sauter. Qu'est-ce qui m'empêche? Facteur de masse 23. Ouais, c'est tous les autres vaisseaux. Voilà, c'est bon. Alors, voyons voir si on peut spotter quelque chose dans cette histoire. Alors, dans les détails, ici, expansion, Rana. Ah. 372. Là, on voit tout à droite qu'il y a un trigger. Donc, on est en train de mener pour choper le système à 372 contre 2, j'imagine. On est au tout début. Enfin, ou alors, c'est ce qu'on doit atteindre, je sais pas. Je suis pas sûr de comprendre. Ok, bon, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec mes hésitations et mes doutes. Je vais regarder ça un peu plus à fond, ça a l'air assez alléchant, relativement complexe de prime abord. Mais je pense qu'une fois qu'on a l'habitude de naviguer là-dedans, ça sera tout simple. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36, autour d'élite, à très bientôt, ciao.